On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein? Je vais mourir, hein, mon bébé. Moi, je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alex retient bien que maman, maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner, moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. C'est la fin des jours, je ne bois pas. Je ne mange pas. Je ne dors pas. Je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je ne me sens pas. Si vous pensez que vous allez réussir à me faire croire que l'homme est un loup pour l'homme, que l'être humain est foncièrement méchant, que l'être humain n'a aucune empathie pour son prochain, vous avez menti. Vous avez menti. Je resterai toujours convaincu que il existe des personnes qui sont naturellement bonnes, qui sont gentils, qui ont encore une âme. Je vais toujours croire ça. On a appris tout dernièrement que Alexandra est décédée. On ne sait toujours pas pourquoi. On ne sait toujours pas qui l'a tuée. On ne sait toujours pas comment ça s'est passé. Mais on reste convaincu que cette histoire-là trouvera son sens. On reste convaincu qu'il y a une justice divine qui existe. Bon, pour ceux qui ne savent pas jusqu'à présent, c'est Alexandra, une fille envoyée au Canada pour étudier par sa maman, qui a été assassinée par on ne sait qui. Et voilà, elle a été portée disparue. Et sa maman a fait une vidéo sur la toile pour annoncer sa disparition depuis 3 jours. Et finalement, après la sortie de sa maman, je crois que 2 jours après les recherches, ils ont retrouvé Alexandra morte dans un lac. Voilà, c'est un peu l'histoire. Mais sachez que votre acte, c'est-à-dire que votre méchanceté là, ne va pas rester impunie. Votre méchanceté qui est là, ça ne va pas rester impunie. Pourquoi les gens sont mauvais comme ça même? Je sais pas. Et... ça c'était une petite parenthèse. On va commencer la vidéo les amis. On va commencer la vidéo. Envoyez les zones positives dans la vidéo. La vidéo a très mal commencé. Envoyez les zones positives. Aujourd'hui, on va faire l'actualité de la semaine encore parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas fait ça. Donc cette semaine, en plus de l'actualité d'Alexandra, l'album de Roselyne Layo, élu de Dieu, a été certifié disque d'or. Nous avons appris la nouvelle. Bon, moi, personnellement, j'ai appris ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui que c'est sorti. Non? Bref. En tout cas, Roselyne Layo devient de ce fait la 3e artiste, je crois, après José Didi B. Félicitations, Tata. En vrai, de vrai, j'aime ton dernier son. Nous, si nous réussissons tout ce qu'on fait, c'est grâce à Dieu au travail bien fait. Alors, vous pouvez parler et critiquer. De nous rappeler ses mains. Tant qu'on vit pour Dieu. Bon, je connais pas trop les paroles, mais j'aime bien. Félicitations à Tata, c'est amplement mérité. Vu tout ton talent, je le mérite amplement. Voilà. Y a aussi Moula qui a fait une sortie. Moula était beaucoup attendu. Hein. 2 jours, il ne comprend pas Moula. Il sait pas. Mais ta chanson BT, elle est bien chic. J'espère qu'il y aura beaucoup d'engouement de la part du public. J'espère que ça va relancer ta carrière. Et en tout cas, c'est tout ce que tu souhaites de bon. J'ai vu qu'il y avait tes collègues qui avaient partagé ton José. Franchement, félicitations à toi pour ce nouveau titre. Je ne sais pas si il doit mettre. C'est les gens de YouTube aussi. Ils aiment bien. Il a fait le droit d'auteur. Ok. Desbordeaux a fait sortir un freestyle dans sa cuisine depuis 2019. Viviane, tu m'appelles comme ça, Viviane, Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Ça là, il a fait sortir. Donc, ça avait pris
au Sotodre, ça avait fait aussi un buzz à l'époque. Mais pas assez comme tout dernièrement quand les certains anglophones ont commencé à faire des TikTok dessus et tout. Donc ça a ravivé la flamme du buzz de Viviane Tu M'Appelles. Comme ça, donc les gens ont demandé à Desbordeaux de faire sortir une musique. Desbordeaux qui est rentré en studio avec ta fille qui chantait derrière là. La fille là, il est rentré en studio avec elle pour faire le remix et tout. Donc on attendait impatiemment la sortie de la musique. En même temps, les Camerounais ont commencé où? Les Camerounais ont commencé à bavader, bavader. Que c'est pas normal. C'est pas, vous connaissez l'artiste Malox depuis Minnesota Choi, il a fait sortir sa chanson. Ça sort comme ça sort. Et puis on a plus entendu parler de lui là. Il est sorti pour dire que c'est pas normal qu'on ne peut pas faire un remix pendant que l'artiste est vivant. C'est pas normal, c'est pas normal. Genre, ils veulent pas façon, façon, façon. Les Camerounais ne veulent pas. Pourtant, Mewé, vous connaissez Mewé, l'artiste Mewé, il est parti chanter pour le Cameroun. Et c'est un temps que je l'ai fait ça. Il n'était pas obligé, mais il a chanté quand même. Mais on lui reproche pas juste. Oui, mais il ne sait pas. Parce que si on veut bien voir même là, chanson de Freestyle de Bordeaux qu'il a fait sur chanson de, du tonton. Freestyle est plus chic. Hein. Freestyle est plus chic. Donc faut pas oser nous emmerder. Ne nous emmerdez pas du tout. Ne nous emmerdez vraiment pas du tout. Parce qu'on est venu donner la valeur à la chanson. Même vous-même les Camerounais, vous n'écoutez pas. Mais je ne veux pas tout mélanger tout aussi tous les Camerounais aussi. Parce qu'apparemment, il y a des Camerounais qui sont pour et puis il y a des Camerounais qui sont contre. Les Camerounais qui sont contre, là, c'est de vous et pas là. C'est de vous et voilà. Desbordeaux même ne voulait pas faire sortir la chanson. C'est nous on a chargé. Donc vous êtes quoi? Il y a quoi? Est-ce que c'est de notre faute si on sait charger les artistes? Chargez aussi vos artistes. Chargez vos artistes. J'ai pas aimé la partie là. Il y a Loco même. Loco. Vous connaissez Loco non? Il s'est élevé pour faire remix de d'une chanson. C'est quelle chanson ivoirienne où Loco s'est élevé? Chop. Chanson de Maté là. Vous vous rappelez de ça non? Holy, holy, yourself. Holy, holy, yourself. Holy, mon allié. Kasusano, oui, oui, maté, moi. Chanson de Maté, ça. Loco s'est levé pour faire remise dessus. Et quand il a eu 10 d'or, personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Mais c'est vous. Vous êtes trop Django. Vous êtes venu parler. Si nous-mêmes on veut laisser même vos artistes qui écoutent là-bas, genre si on veut les laisser qu'on a même là, vous êtes devenus quoi? Parce que les Camerounais même ce ne sont pas des gens même qui chargent artistes. Ce sont les Ivoiriens qui chargent. Donc si on veut les laisser, vous êtes devenus quoi? Il n'est pas aimé la partie là. Mieux vous laisser, mieux vous décharger votre affaire là. Desbordeaux va faire sortir sa chanson. Ne nous emmerdez pas. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. Je suis venu juste faire acte de présence avec l'actualité de la semaine, l'actualité people de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Je présente encore une fois mes condoléances les plus attristées à la famille de Alexandra et Yaku. Yaku à la maman d'Alexandra. En vrai, cette histoire m'a fait grave pleurer. Cette histoire m'a fait grave pleurer parce que j'ai vu même ma maman et elle me dit « Ah, nos parents nous envoient à l'étranger là. C'est parce qu'ils veulent le meilleur pour nous. » Et puis, au lieu de ça, c'est un corps sans vie qui revient. Tu envoies ton enfant à l'étranger, c'est un corps sans vie qui revient. Elle est son unique enfant. Oh, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. En tout cas, que Dieu te fortifie, Tata, et puis le papa d'Alexandra, que Dieu vous fortifie beaucoup. Parce que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. En tout cas, on se dit à bientôt. Je suis malade aussi, vous avez vu, non? C'est tout ça, mais c'est pas prévu. On se dit à bientôt pour une nouvelle actualité People de la semaine. Je vous embrasse, je vous aime, la paix sur vous. Et bisous, bye.